Salut tout le monde, bienvenue dans un autre Vlogmas de Calou. Aujourd'hui, on fait un Wrap With Me. Mon mari va participer. Je ne sais pas à quel point on va être efficace parce que Ruby, malheureusement, est encore malade. Elle a commencé un autre virus aujourd'hui. Ce matin, elle s'est réveillée avec de la fièvre, puis elle toussait. Puis son nez coule, puis avant qu'on le couche, même avec le Tylenol, elle faisait 39,5 de fièvre. Donc, on lui a donné du Advil, on lui a donné un sirop aussi pour la nuit, qu'elle a dormi, qu'elle a de la toux naturelle, en espérant que ça l'aide, mais ça a été quand même très long la coucher. Puis là, elle bouge beaucoup, puis aussitôt qu'elle tousse, elle chiale un peu. Fait qu'on se croise les doigts qu'on ait le temps de filmer la vidéo au complet. Mon mari est juste en train de sortir Ivy pour qu'elle fasse ses besoins. Puis après ça, on va partir. On est mardi aujourd'hui, on était supposé de filmer cette vidéo le dimanche. Mais je me suis endormie en même temps que Ruby. Puis honnêtement, si je n'avais pas mis de cadran aujourd'hui, j'aurais sûrement fait pareil encore une fois. Je suis vraiment fatiguée depuis mon dernier virus. Ça fait 7 jours depuis le dernier et on en a déjà un autre. Fait que c'est dur de rattraper sur le sommeil. Mais c'est ça. Fait qu'on va emballer nos cadeaux. Il y a des choses que vous avez déjà vues, des choses que vous n'avez pas vues encore et des choses que je ne vais pas montrer tout de suite. Juste parce que je ne sais pas c'est qui regarde mes vidéos ou pas. Côté de ma famille, fait que je ne veux pas être trop spécifique, mettons, dans certaines affaires. Mais aussitôt qu'Étienne revient, on part ça. Bon, fait que on va partir. Je suis vraiment à moitié endormie. Je n'avais même pas sorti le tape ou les ciseaux ou rien. Mais là, on va partir. Donc, j'ai du jus. J'aime comment je suis capable de faire toi, genre. Genre, de ton intro à là, genre, je suis comme. Ben oui, mais j'ai dit que tu sortais le chien. Non, je sais, mais c'est juste drôle que, genre, au montage, il y aura rien. Puis le pouf, comme ma magie, genre. T'es là. En tout cas, on a du vieux papier l'année passée. On a du papier princesse. On a du pâte à trouille. Et au request de mon mari pour pas avoir du papier de girly pour ses cadeaux, on a du papier Mario. Bon, fait comment tu veux attaquer ça? À la fois. Tu mets le papier à terre, puis on y va par-dessus, puis on flippe. Eh boy, mais. Quoi? Oui, mais il faut y aller stratégiquement avec les papiers et tout. C'est ça que je te dis, tu mets le papier à terre, tu mets le cadeau dessus, non? Oui, mais dépendamment quel papier qu'on utilise pour quel cadeau. Ok, bon ben, quel papier tu veux utiliser pour quel cadeau, puis on va faire une bâche de ce papier-là. Ok. Pour chez ma cousine, mais dans le fond, ma famille de mon bord parental, on fait un échange de cadeaux. De 20$. Fait que j'ai ces jeux-là, You've Got Crabs. C'est une série de jeux Exploding Kittens là, que son beau-frère et sa soeur y ont. Puis ils font vraiment des bons jeux. Fait que on aime ça jouer les jeux, les activités comme ça, comme là. Fait que j'ai pris ce jeu-là. J'ai aussi pris un espèce de jeu qui est un autre type de jeu. Puis une petite cadeau aussi Starbucks. Fait que ça, c'est quand même ça a été pour vous. Sinon, il y a d'autres choses que je ne veux pas les savoir non plus parce que je suis en congé, je ne veux pas vraiment que tu saches. Mais pour lui aussi, quand j'avais les billets Amazon, j'avais Black Friday, j'avais eu ce cube-là, elle avait commencé à organiser des trucs maintenant, fait que ça va partir pour elle. Puis la marque Melissa Edberg. Bon, fait qu'on a fait mes petites pièces de section, fait qu'on part. Bon, donc quelques réveils plus tard, Ruby s'est réveillée genre 3 fois. J'ai mis sa tête sur l'oreiller, fait qu'en espérant que ça va aider parce que sinon à tous. Mais on a emballé ces petits cadeaux-là. Étienne, il a fait une bonne job ici. Moi, j'ai une petite pile là. Comment ça ressemblait à quoi?
Autant qu'on dit qu'on n'achète pas beaucoup de cadeaux, ça finit toujours qu'il y en a pas mal, mais l'important c'est qu'on a respecté nos budgets. Fait que c'est ça le plus important. Ok, si on y va par en haut, tu mets pas la petite enveloppe en dessous. Ben. On s'est pris un panier d'épicerie pour essayer de ramener en bas. Mais... panier d'épicerie? Ben, panier de. Je sais pas à quel point ça va. Petit boss. Hey. On essaie de ramener le plus de cadeaux possible. Yes, mon bord il est parfait. Là. Ok. Très super, t'as mis un cadeau. Un cadeau. J'en ai mis six. Ah, tout ça pour faire moins de voyages par là-bas. Ouais. Fait que là, en temps et lieu, on va redistribuer qu'est-ce qu'on amène où. Et qu'est-ce qu'on laisse? Honnêtement, à part les cadeaux à Rivie, on amène tout ailleurs. Parce que même Chelsea, sauf on. Sauf mes cadeaux. Hein? Sauf nos cadeaux à nous. Ouais, nos cadeaux à nous, puis les cadeaux de Rivie. Parce que Chelsea, on va l'amener chez ta mère. Mm-hmm. Bon, fait que ça ressemble à ça. On a fini notre emballage. On est en date du 13 décembre. Ça avance quand même. Tu dis ça, mais d'habitude, genre, prends la semaine de décembre, c'est fait. Je sais, mais ils font ça le 24. Je sais. Moi, je me sens en retard, mais ma mère, elle emballait genre le 24 ou le 23. C'est ça. Quand on se couchait. Fait qu'on est quand même hot. T'as-tu aimé ton expérience, chérie? Oui. Ouais, c'est. Je suis vraiment nul à chier pour emballer, mais. Quand tu prends les petits bouts, ça va. C'est ça. Faut que tu aies vraiment le size parfait de papier, genre, pour faire le petit triangle à la fin pour que ce soit beau, mais sinon. C'est moins normal pas une boîte. La seule affaire qui est drôle, c'est que, mettons, tu sais, comme moi, genre, le côté fini, c'est là que je mets l'étiquette, mais lui, souvent, les places, il va mettre l'étiquette sur le côté, genre, let. Fait que c'est pas le côté que tu veux d'habitude montrer, genre. Dans ça? Ouais, genre. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai pas tout emballé tout seul. Je sais qu'il y a des maris qui emballent rien. Fait que merci, mon chéri. Merci. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui, guys. Comme je dis, avec Ruby malade, on fait ce qu'on peut. Ça fait comme trois fois que je ditch pour aller la voir. Fait que j'espère que vous avez aimé quand même ça. Mon Dieu. Passez du temps avec nous. Bonne nuit, hein? Ouais. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et on se voit une prochaine fois.